Voilà, eh bien, première journée, je dirais, agréable. Première journée où il y a une chaleur agréable, pas trop chaud, juste ce qu'il faut, une belle luminosité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cette luminosité. Et quelque chose de... une forme de quiétude, une ambiance comme je les aime, c'est-à-dire quelque chose de qui ressemble à la paix, qui s'approche de la paix, une forme de quelque chose de paisible, de doux, et c'est bien parce que ça contraste avec les événements que nous sommes en train de vivre, ou tout au moins les réflexions que nous avons sur des hypothétiques conflits, dégradation de la situation, etc. Donc ça tranche. Et voyez, cette situation où je vous ai montré quelques images intimes de ma vie, parfois c'est des petits clins d'œil. C'est pas je pense pas que vous le preniez comme ça, mais il n'y a rien de prétentieux, il n'y a pas de fanfaronnade. Mais il est vrai qu'il y a une adéquation entre le lieu où je vis, et je vous expliquerai cette histoire d'endroit, et mon état d'esprit. Il y a une adéquation que j'ai trouvée. Alors je ne dis pas que ça s'est fait facilement. Ça a été très très dur comme un enfantement. Et c'est très bizarre parce que le lieu où je suis, ça n'a absolument aucun rapport avec mes moyens financiers. Je ne peux pas vous dévoiler pourquoi, mais ça n'a aucun moyen. D'ailleurs, je ne suis pas propriétaire, mais comme quoi ça n'a absolument pas de rapport avec mes capacités financières. Même si j'avais énormément de capacités financières, je ne suis pas là pour dire que j'en ai pas ou quoi que ce soit, c'est pas lié à ça en tous les cas. Ce lieu n'est absolument pas lié à mon pouvoir d'achat. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que le lieu m'a... Vous savez, quand on choisit un lieu, quand on évoque le goût pour certaines choses, on dit, tiens, je me verrais bien près de la mer, je me verrais bien à la montagne, j'aimerais quitter la ville, ou j'aimerais plutôt vivre dans le centre de cette ville, parce que cette ville, je l'aime, etc. On a tous des goûts et des envies. Mais, en l'occurrence, j'avais pas du tout comme ambition de finir. En tous les cas, je ne sais pas si je finirai là, c'est pas garanti. Mais en tous les cas, rien ne me destinait à vivre en Seine-et-Marne, je peux vous l'assurer. Ce sont des concours de circonstances qui m'ont amené à vivre ici. Et puis, j'ai trouvé cette maison et ça s'est fait drôlement. Elle était abandonnée quasiment. C'était des Parisiens qui avaient ça. En fait, c'était une maison qui avait été plus ou moins abandonnée, mais les Parisiens l'avaient pris comme une résidence de vacances. C'était des gens qui avaient certainement besoin d'avoir une résidence pas très loin de Paris, et ils avaient trouvé que le jardin était sympa et la maison. On voyait qu'il n'y avait pas d'entretien, la maison est toujours dans son jus de 1960. Mais
ils avaient arrangé, ils avaient aménagé le jardin pour que ce soit plaisant pour eux, c'est tout. Puis la maison était à l'abandon. Et moi, je revenais dans cet endroit, je me disais, c'est parce que je l'avais vu dans le bon coin. Et je n'avais pas pu l'acheter à l'époque parce que, donc du coup, je suis pas... J'avais eu un problème, c'était avant que je sois fonctionnaire, j'étais au chômage et tout, et je pouvais pas. Donc j'avais abandonné le projet, j'y suis revenu, et comme elle était à l'abandon, je m'étais renseigné pourquoi elle est à l'abandon, tout ça, donc le propriétaire m'avait trouvé un deal pour que je la reprenne et que je l'entretienne, etc. Donc on en est là pour l'instant, j'espère que ça débouchera, mais je ne sais pas si je dois l'espérer ou pas, c'est entre les mains du destin, vous savez, on choisit pas. Donc le lieu, il m'a été un peu, oui, je l'ai désiré, il m'a désiré, comment dire, il y a eu comme une synchronicité qui s'est opérée ici, mystérieuse, parce que comme je vous l'ai dit, c'était pas lié à mon pouvoir d'achat, c'était pas du tout lié, c'est vraiment pas lié à une question financière. C'est que ça a été une opportunité de venir ici, et même aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, les prix de l'immobilier sont en train de baisser. En fait, ça n'a pas grande valeur financière, sauf que pour moi, ça a une valeur autre. Parce que le lieu est le lieu où je vis et me porte, et notamment le chemin qui est tout près de ma maison. Quand on monte sur le chemin, eh bien, il y a quelque chose qui me porte, qui m'aide, et donc je me dis, bah oui, ce lieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me relie à ce lieu, mais franchement, je suis incapable de vous dire si je resterai là. Ça dépend de l'avenir, ça dépend de beaucoup de circonstances que je ne maîtrise pas. Donc rien ne garantit que je reste là, hein, rien. Mais j'y suis. Et donc je pense que je veux pas forcer les choses. J'y suis. Si je dois partir un jour, bah écoutez, ce sera pareil, ce sera quelque chose qui m'emmènera ailleurs, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est très difficile, hein, très très difficile, parce que je suis sûr que je ferai un choix en fonction de certains critères, de soleil, de climat, ou je ne sais quoi, je me planterai. Je préfère que ce soit, que ça vienne à moi, comme ça. Je préfère que cet endroit vienne à moi. Mais je ne veux pas trop me projeter avec des idées parfois fausses. Mais je peux dire que j'ai galéré, parce que j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu à Paris, j'étais en ville, et au fond de moi-même, je voulais quitter cette banlieue. Je voulais m'en aller, mais j'avais pas de possibilité. Et puis d'un seul coup, les choses se sont organisées de telle manière que voilà, je suis là. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dis ça parce que c'est pour vous partager quelque chose que j'ai vécu qui peut résonner chez vous, qui peut être une indication pour ceux qui sont actuellement comme j'étais avant, c'est-à-dire dans un lieu qu'ils n'apprécient pas forcément, ou qui vivent dans des banlieues difficiles, où il y a de la violence, où il y a de l'agression, où il y a du bruit, où il y a des voisins qui sont turbulents. Tout ça, j'ai connu. Donc, je comprends. Bah, dites-vous qu'à un moment donné où il y a une forme de entre notre aspiration intérieure et la réalisation matérielle, il y a quelque chose parfois qui se met en place sans que soi-même on développe énormément d'énergie pour aboutir à ça. Ça, des fois, ça vient à nous. C'est là qu'il faut être attentif. Enfin, c'est ce que je peux parler de moi, mais bon, je sais pas. Vous savez, c'est pas toujours un critère financier. Ça, je vous le redis, parce que c'était assez spectaculaire pour moi. Donc, il y a des gens, ils pensent qu'il faut de l'argent, tout ça. Pas forcément. Ça fonctionne pas comme ça. Non. Bizarrement, pas toujours. Parfois, oui, il en faut, mais s'il en faut, des fois, l'argent arrive, on ne sait pas pourquoi, d'une certaine manière. Mais des fois,
ça se réalise sans forcément beaucoup d'argent. Je me souviens, quand j'allais aux États-Unis, il y a des gens qui pensaient que j'étais riche, mais j'aimais bien aller aux États-Unis pour voir cette nature qui est complètement, cette dimension qui est autre, puis une énergie particulière là-bas, que je ne ressens pas ici en France. Et bah oui, on trouvait des billets à l'époque, on trouvait, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais on trouvait des billets pas très chers, puis sur place, louer une voiture, ça coûte rien, et on allait dans des hôtels où c'était 30 euros, 40 euros la nuit, 15 jours, 3 semaines aux États-Unis, ça coûtait rien, quoi. Ça coûtait moins cher que d'aller sur la Côte d'Azur, louer un appartement, ou je ne sais quoi, et non, c'était pas cher. Mes gens croyaient que c'était... on peut se débrouiller comme ça. Et moi, j'aimais bien aller aux États-Unis, j'aimais bien. J'en ai déjà parlé, j'aimais bien. J'aime bien ce... Je me disais des fois, tiens, j'aimerais bien... Il y a quelque chose là-bas qui me porte. Là aussi, je n'ai pas d'explication. C'est pas la culture américaine. Il y a quelque chose dans l'air, il y a une relation à la nature, il y a une force que je ressens, que je ne ressens pas en Europe. En Europe, c'est très beau, il y a de l'histoire, il y a des bâtiments, mais là-bas, il y a autre chose que je n'ai pas trouvé ailleurs dans le monde, en tous les cas, là où je suis allé. Je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez, les critères, voilà quoi. Ce qui est important, c'est d'aller dans un endroit où on se sent bien. Il ne faut pas s'occuper de ce que pensent les autres. Je crois que c'est surtout ça. Vous occupez pas de ce que pensent les autres. Ça n'a aucune importance. Et vous occupez pas des gens qui vous disent « va ici, va là ». Je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, parce que je ne suis le seul déjà à être concerné et éventuellement à faire moi-même mon choix, si j'ai un choix à faire, mais me laisser guider par ce qui me guide, moi, et ce qui me correspond, moi. Et ce qui correspond à l'autre ne vous correspond pas forcément. Donc, beaucoup de personnes font des projections sur les autres. Ah, tu serais bien là. Non. C'est vous qui savez. Vous savez, il y a les gens qui ont un catalogue en tête et qui veulent l'appliquer aux autres. Parfois, c'est l'intention est bonne. C'est pas qu'il y ait une mauvaise intention. Mais il faut arriver à comprendre qu'on est destiné à un lieu. On est tous destinés à un lieu. Et en fonction de notre âge, en fonction de notre énergie, en fonction de notre état intérieur, en fonction de critères différents et de paramètres différents. Et pour certains, ça sera s'expatrier dans un pays ou dans une culture qui leur convient, c'est s'expatrier en Inde, s'expatrier en Afrique, s'expatrier en Asie, s'expatrier aux États-Unis, en Amérique du Sud, peu importe, mais c'est en eux quelque chose qui est nécessaire. Parfois, c'est une expérience qui est nécessaire, pas forcément de rester ad vitam aeternam dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais pour certains, c'est utile de passer. Et je ne parle pas de tourisme, je parle d'expérimentation. Expérimenter une terre, expérimenter une autre culture, expérimenter d'autres êtres humains. Ça, c'est important. Et ce n'est pas dans la perspective de bouger pour bouger, mais c'est la perspective simplement d'être soi, d'expérimenter, de passer par une expérience qui nous transforme, qui nous ouvre l'esprit, qui nous apporte quelque chose. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit raisonner, je crois, en tout cas. Et c'est pour ça que je vois bien que les lieux où on est, de toute façon, dites-vous bien que la maison, l'appartement, le lieu géographique où vous êtes, tout cela n'est pas un hasard, tout cela a un sens. C'est en accord et c'est en relation avec votre état intérieur, toujours. Quand vous avez votre état intérieur qui change, le lieu change. Si votre état intérieur est évolutif sur un endroit, vous ne changerez pas d'endroit parce que l'endroit sera porteur pour cette évolution.
Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle générale. Et donc, pour certains, ben, ce sera bien d'être au soleil. Pour d'autres, ce sera bien d'être dans un pays pluvieux, dans un pays du Nord, tout cela. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est très, très personnel. Là, évidemment, quand vous êtes seul, je dirais que parfois, c'est plus facile ou plus compliqué. Mais ce qui est plus facile, c'est d'aller là où vous sentez où vous devez aller. Mais par contre, si vous êtes en couple, c'est parfois un peu le problème, c'est que les deux n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et ils n'en sont pas au même stade intérieur d'évolution. Donc le lieu, il peut convenir à l'un, mais pas à l'autre. Ça arrive souvent. Ça, c'est intéressant, ça aussi, d'explorer cette question-là, surtout pour les couples. Parce que des fois, il y a des problèmes de couple qui sont absolument pas liés par rapport à l'harmonie des deux personnes. Peut-être que les deux sont faits pour être ensemble, mais malheureusement, comme ils sont pas au même stade d'évolution, ou tout au moins ils sont pas dans la même catégorie intérieure, eh bien, ils ont besoin de vivre chacun dans un lieu différent. C'est comme ça. Et c'est pas nécessaire de se séparer parce qu'on a besoin d'un lieu différent. Je dirais que là, il faut aménager. Faire attention, des fois, on peut se tromper. Dans un couple, un conflit, les racines d'un conflit peuvent être liées justement à des questions qu'on peut surmonter. Il faut donc bien les identifier, les soucis et les problèmes. Savoir d'où ils viennent, ça permet de sauver le couple parfois, c'est important. Voilà, c'était le sujet. Je ne sais même pas comment j'ai intitulé cette vidéo. Le lieu où on vit, le lieu de notre destinée. Je ne sais pas, faut que je vois comment je suis inspiré. Elle tournera cette nuit, cette vidéo. Et là, il est assez tard, hein, doit être. Ouais, il est assez tard, mais c'est le crépuscule qui va arriver tout à l'heure. C'est la bonne heure. C'est l'heure bleue, je crois qu'on appelle ça. Sinon, ben, faire demi-tour, là. Voyez, on entend les oiseaux. Sinon, ben oui, je vois bien qu'en ce moment, si on revient à la politique, je vois bien qu'il y a une instrumentalisation de la délinquance. Là, il y a vraiment un truc. On croira que CNews est devenu le porte-parole de la préfecture de police de Paris. C'est l'agence de presse de la... Pascal Pro, c'est l'agence de presse de la préfecture de Paris. C'est-à-dire, systématiquement, il y a un parti pris contre les manifestants, qui sont des casseurs, et pour la police. Il y a en aucune manière, ils ne remettent en cause l'attitude de la police. C'est quand même incroyable. Ils ne comprennent pas qu'il y a aussi, du côté de la police, des policiers qui se comportent mal, qui provoquent, et qui sont là pour provoquer aussi certains manifestants qui deviennent violents. Alors je ne dis pas que je ne vais pas rentrer dans le débat des black blocs, machin, bidule, mais voilà, on ne va pas me la faire à moi. Hein. Je sais très très bien que il y a là, l'État a intérêt à ce qu'il y ait ce type d'action parce qu'ils instrumentalisent pour discréditer les manifestants et donc réduire la contestation. Contestation en France, toutes les contestations et les manifestations ont toujours été violentes, toujours, de tout temps. On n'a pas attendu les Black Blocs, la Révolution française, c'était pas les Black Blocs. Alors ils se réclament tous de la République, ils disent tous que la République c'était formidable, qu'il fallait abattre la monarchie, qu'il fallait couper la tête de tous les nobles et tous les aristocrates et la tête du roi. Alors là on se régale, mais là, eux, quand ça les concerne, ah non, oh là là, une petite vitrine de cassé, c'est la catastrophe. Non mais, franchement, il y en a marre de cette hypocrisie, il y en a marre. Et puis, c'est insupportable les médias, insupportable leur parti pris, leur manière de manipuler l'opinion publique. Alors ils manipulent les vieux qui sont chez eux et qui bougent pas et qui sont effrayés parce qu'il y a trois poubelles qui brûlent, enfin il faut arrêter. Alors là, ils ont dit, ah oui, ça s'excite un peu parce que les gens en ont marre. C'est facile à comprendre. Alors les Black Blocs, je veux bien, mais il y a beaucoup de la population soutiennent ces mouvements qui sont
peut-être pour certains radicaux, mais est-ce qu'ils en ont marre? C'est simplement la population en a ras-le-bol. C'est pas peine de chercher midi à 14h. Alors ils veulent de la répression contre les violences. Ah oui, ils veulent de la répression contre les violences. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens manifestent plus? Ou qu'ils soient comme des petits moutons gentiment derrière leur petit cordon sanitaire et puis qu'ils rentrent le soir bien sagement à 6h chez eux? Ah oui, ça va vachement évoluer. Là, on risque d'obtenir beaucoup de choses. Non mais faux. Ils prennent les gens pour des cons, vraiment. C'est incroyable, c'est insupportable. Insupportable. Voilà, enfin, je vais pas m'énerver là-dessus parce que ça me fatigue. Et là, j'ai le soleil en face. Bon, ben, là, les jours sont longs en ce moment. Et puis, bon, ben, c'est bien. On a une bonne journée aujourd'hui. J'en ai profité pour bien travailler, agencer un peu les extérieurs, les préparer. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée car vous découvrirez cette vidéo demain. Et je vous dis à bientôt.